Ok, bonjour mesdames, bonjour monsieur, Jean-Robert Philippe ici, ta voix de l'Amérique, non, en Washington, je dis, c'est vendredi, c'est le dernier vendredi dans le mois de juin. D'abord, je vais vous dire si nous entendons, parce que je vais utiliser un nouveau. Est-ce que vous entendez? Je vais vous dire que nous entendons moins. Sinon, je vais vous faire un autre bagaille. Même quoi que nous entendons moins. Est-ce que vous entendez là, Magnus, Moïse? Est-ce que nous entendons bien là? Si nous pas bien entendre moi pour me connaître ça pour me faire parce que son système à utiliser qu'on y a un système bye Jean Luxon est-ce que entendez est-ce que nous entendez bien avant de déraper bataille mais nous perdu ça pour le dire allez non dis-moi si nous entendez d'abord avant de déraper oh dis-moi si nous entendez oui et boy c'est oui et pour ça c'est oui nous entendez moi nous tendez oui nous tendez ok allez ma salut nous m'a dit un gros bonsoir moi bien content que nous tendez moi ça fait un grand plaisir n'a pas dit une nouvelle technologie donc on by wireless et sans fil donc on a utilisé les besoins aussi là bas résultat surtout les maps déplacées les moi pour aller en déplacement pour que je suis capable de compter sur technologie je suis capable de déplacer facile pour interviewer un monde et les cas plus facilement les comme qui ont bail avec fil là-dedans donc nous bien content que ça marche et bien puisque ça marche si sévère et bien nous pour aller Eugène moi bien content qu'on dit nous tant de moins et bien nous déraper nos amis nous en bataille oui là et bail pas bon bail pas bon pour nous mais nous toujours en bataille nous pas pour éliminer dans coupe de conférence là nous là mais en attendant faut parler de l'actualité internationale là et toujours utilisé pour les entre la Russie avec l'Ukraine. Et puis il y a un général russe qui semblait pas well. Et sa nouvelle bail pratiquement, mais et puis monsieur et Wagner toujours bail problème toujours. Donc jusqu'à présent, bah, ça n'a pas fini. C'est des dossiers que nous avons observés. Et puis nous avons besoin de temps que les Américains ont paré pour célébrer 4 juillet. Qui s'est fait l'indépendance du pays. Madame Gladys, bonsoir. Je viens spécialement pour parler. Avant de dire aux spectateurs, Madame Gladys Jean-Baptiste, c'est une fidèle auditeur ou une fidèle téléspectateur que nous avons. Et depuis le parlement, il y a un numéro que nous connaissons, les numéros pour demander côté Jean-Robert. Donc, voilà. Moi-même, pas de problème. Et vous connaissez nous tous, nous avons l'autre téléspectateur tout, qui lui-même habite en pleine. Et lui-même, il dit toujours, il dit, côté de Ticozea, pas tant de dit toujours, il y a ça qui passe. Eh bien, oui, n'a pas pour nous Québec pour me savoir. Et puis, m'invitez nous. Restez branchés avec nous pendant le week-end encore, parce que la semaine passée, à suis dans Houston, Texas, dans l'occasion du premier match de sélection ancienne en table juin. Nous devons des chances pour parce que nous la victoire. Et je ne pas aller dans le match contre Messi, là, donc je ne pas protéger, pas de chance. Mais je vais retourner encore, je vais aller dans le match chez Charlotte, là. Et là encore, il était branché pour nous entendre l'actualité, pour nous connaître tout ça qu'il a dit sur l'affaire de sélection nationale et masculine haïtienne, ça qui est dans une grosse bataille. Alors, sur l'actualité internationale, là, nous parlons que. Et puis Haïti dit qu'il supportait pour les États-Unis retourner encore dans l'UNESCO. Donc, les États-Unis ont annoncé que parce que c'était l'ancien président Donald Trump qui était retiré aux États-Unis dans l'UNESCO. Eh bien, les États-Unis ont annoncé dernièrement là, l'administration américaine a annoncé que eux-mêmes ont ces plans rien pour retourner dans l'UNESCO. Donc, Haïti dit de supporter pas à pas Madame de Baptiste. Donc, États-Unis dit, alors Haïti dit l'a supporté pour les États-Unis retourner dans l'UNESCO. Et puis, ils sont pas soit à faire Haïti, bien fait passeport, mais ça, tout le problème toujours. Il y a des gens qui ont besoin de passeport, pas qu'à faire passeport, parce que pour des raisons, personne ne va pas comme ça qui passe exactement. Et puis, on a dit que Haïti a paré pour l'accueil du secrétaire général des Nations Unies, Jean Ban Ki-moon. Antonio Guterres, donc son visite qui a aussi importance, vu que c'est. Enfin, ça fait le deuxième secrétaire général, parce que Ban Ki-moon est allé en Haïti déjà. Donc, M. Bral en Haïti, justement, pour la visite et très certainement rencontrer avec dirigeants. CARICOM a parlé pour marquer le 50e anniversaire.
c'est va semaine prochaine là et pour ma 7e anniversaire me songe en 73 tu as parlé de marché commun Caraïbes. Il faut qu'on vienne à ce niveau non mais tu as parlé de et marché commun Caraïbes là etc. Donc quand on marque 7e anniversaire donc grand pile gros autobré grand pile gros autorité qui va participer dans occasion cela. Alors crise pays haïtienne, rappelons que deuxième partie a, la première partie a été déroulée dans Kingston, Jamaïque. Et bien bon, et selon ça, que politiciens ou bien encore partis, monde qui a participé dans la rencontre Jamaïque là, un peu dirigeants politiques, et bien monsieur dit et deuxième partie rencontre là a fait, mais la déroulée après, comme fin célébré le 50e anniversaire. Donc l'idée politique a été apparue, mais rappelons que négociant. Alors, problème qui gagne Kounia dans la crise haïtienne, il est bloqué d'un côté seulement. Et tout le monde connaît qui côté le bloqué et tout le monde connaît qui ça arrive à faire. D'un côté, c'est qui forme de gouvernement qui doit gagner pour diriger le pays, pour mener le pays dans les élections. Il y a des gens qui veulent que pour gagner un gros conseil de transition à 5 membres qui parlent que après le conseil présidentiel, ça c'est tout. Pratiquement presque tout le monde en opposition d'accord avec l'idée de ça pour un conseil présidentiel de transition. Et puis, il y a l'autre groupe qui dessine l'accord 21 décembre avec le Premier ministre Ariel Henry comme chef de file. Et bien, l'autre groupe là même, il voulait que il y a un conseil, il y a d'accord pour l'ouvrir conseil HTCA pour l'État avec la même attribution que le Kounia. Et pour mettre la 5 membres, donc opposition qui va faire partie là-dedans, ou bien deuxième membre, mais la prête avec la même attribution que le tien. Alors que l'autre groupe qui veut le conseil présidentiel là, il y a même voulu pour que conseil de transition l'élargi avec 5 membres par exemple, mais pour changer l'attribution, pour avoir plus de pouvoir, ça fait le conseil présidentiel, qui peut contrebalancer. Il y a un premier ministre. Il y a un premier ministre qui a pour chef gouvernement. Il n'y a pas dit si le premier ministre c'est Ariel Henry. Mais il dit qu'il y a un premier ministre et il y a un gouvernement. Mais M. 21 décembre, avec le premier ministre Ariel Henry, il est d'accord pour étendre au conseil de transition pour qu'il y ait 5 membres, mais pas pour le conseil présidentiel. Donc il a été limité avec la même attribution que le là, organiser l'élection et par le gouvernement conseil. Et puis, mais c'est là la prêté, mais le gouvernement d'accord pour l'élargir pour l'autre, et puis d'accord tout pour le fond passer dans le gouvernement, ça veut dire que rentrer quelques monde dans le gouvernement que l'opposition a désiré pour avoir un poste ministériel. Mais il y a des gens qui disent même qu'il n'y a pas des jobs, il n'y a pas des jobs, il y a des gens qui disent des jobs, mais il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas des jobs, même donc il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de transition avec le gouvernement. Voilà, c'est la balade. Certainement, négociation pourra continuer, deuxième manche. Donc, c'est dans l'idée de présenter qui forme de gouvernement vous voulez pour mener le pays. Mais il y a tout acteur qui dit oui, il faut qu'il y ait les élections, mais il dit les conditions réunies. Donc, personne ne parle. Déjà, il y a des tensions qui ont duré trop longtemps, deux ans. Donc, souvent, la transition encore, combien de temps va durer, personne ne parle. Mais le groupe qui l'a voulu pour aller dans les élections, mais il dit qu'il voulait. Et bien, même l'opposition, tout l'idée, les élections, mais il veut qu'il y ait certaines conditions pour aider. Donc, c'est dans nos visites, M. Bankoumoun a fait là, c'est certainement l'équipe de M. Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies en Haïti, mais l'équipe de c'est certainement un contact pour le faire, non seulement avec le premier ministre Ariel Henry, mais avec l'autre acteur. Tout, et il y a certainement une question ça, pour aller sous tapis. Et puis, nous rappelons que dernièrement, là, l'OEA a été pour une résolution. L'OEA a été adopté une résolution pour Haïti, mais une résolution, ça, est très certainement capable d'aider. Capable d'aider, d'en jouer plus de support encore pour la police nationale, plus de support encore pour aider à résoudre la crise. Là. Ça, c'est ça que la rencontre qui s'est déroulée récemment ici à Washington, côté de la fin et de l'Assemblée. Assemblée générale et l'OEA, et bien, la rencontre a été débouchée exactement sur une résolution qui prend en faveur Haïti pour supporter. Et puis, le Brésil toujours dans le coup, ça, toujours le Brésil a toujours dans qui mesure capable d'aider Haïti. C'est le Brésilien, le Brésil et Canada. Et bien, le ministre des Affaires étrangères Canada, qui a rencontré, je veux dire, ça, en termes,
ministre des étrangers Canada, Canada c'est madame Julie, et bien t'es rencontré avec le ministre des étrangers brésilien pour des sujets Haïti à ouais dans qui mesure même vous capable contribuer ensemble dans chef Fopayo pour que permettre que Haïti et pour ouais dans qui mesure assister un achat pour aider combattre activité gangue et continuer à fonctionner et police a tout dit même la non bataille serré serré et cela sur tous les fronts que ce soit dans un petit peu vers le nord dans zone Atibonite là et que ce soit c'est dans et Port-au-Prince avec gang casse barrière mais même police sont là à bataille mais malgré faible et nous apprendre tout police sont là toujours à Paris pour toujours attendre et équipement qui était certainement capable de sortir au Canada. Et puis, il y a un média en Haïti qui a apporté Salvador et l'Assemblée de Paris pour lui même tout rentrer dans la porte de contribution parle parce que la crise haïtienne, parce que depuis longtemps, Canada, Salvador a annoncé que il était intéressé pour devenir aider et pour ce national-là, bataille avec Gangyo, nous connaissons Salvador. Et le président Salvador, M. Bukele, eh bien, l'LDP, le monde sous pouvoir, il était en lutte. Il a même construit une prison spéciale pour fermer les gangs en prison. Eh bien, pour certains, même les critiques, le conseiller de l'affaire à Budoisumé, etc., même M. Rivière, ce n'est pas des mondes, ce n'est pas des gangs, M. va mettre en prison. Et je pense que l'expérience Salvador est capable d'aider Haïti lui-même faire face avec les gangs. Qui recommence à prendre service, recommence à kidnapper le monde et recommencer à opération kidnapping. Malgré que l'opération. Alors, raison, c'est que l'opération Bois-Caléa, que la population a fait sans la police, il a semblé diminuer d'intensité. Mais dans le niveau capital là, mais dans le niveau ville provinciale, la population est toujours véatif, toujours à fouiller les machines, fouiller le monde pour parler et justement pour être capable. Et pour être capable de trouver des machines, des gens qui ont des munitions par gang. Et c'est comme ça, matin, dans la radio, dans la capitale, là, il y a un petit monsieur, un chauffeur qui est contracté avec une compagnie qui a vendu l'huile cuisine. Alors, monsieur dit que petit Dieu qui t'a raconté matin, papa, il est mort. Alors, petit Dieu, il a raconté, monsieur, il y a 4 petits. Eh bien, c'est pendant que M. Tabal font livraison et l'huile et pour compagnons qui sont contracteurs. Eh bien, l'aile par son côté, il y a un groupe gang qui a été capable de partir, il continue à aller. Et puis, après ça, il y a un coup idéal, il continue à suivre. Et là, M. Rivé, il court jusqu'à ce qu'il vienne dans le commissariat policier Marc-là. Et le passager qui était à côté là, c'est le deuxième chauffeur. Mais monsieur Kouy descend en train dans le commissariat, mais monsieur pas le temps lui-même descend, l'état pour descendre comme qui va nous coûter manchette, monsieur comme qui va nous coûter pique encore, monsieur Mouy, mais petit tu devais dire que papa n'a pas transporté équipement, pas encore munitions, bagang, c'est seulement livraison de l'huile que tu as pas fait dans zone nature là et que livraison ça que tu as pas fait, mais l'air était campé comme on l'a pété fini tomber, il pas de campé. Et il dit pendant tout là, il n'y a pas là au monde, il dit qu'il n'y a pas aucune activité. Je continue à aller au camp, il n'y a pas peur d'avoir un petit bio. Mais il n'y a pas campé, il continue et il a cherché secours dans le commissaire Saint-Marc-là, même si je ne sais pas qu'il y a fait. Alors il a pris sa paix pour dire qu'il n'y a pas suspect au monde. Avant de trouver le monde, mes amis, cherchez qu'on est d'abord. Et peut-être si nous mettons sur le monde, on va bien trouver, déposer le commissaire. Le commissaire va faire toute recherche lui-même, là va garder pour lui. Est-ce que nous avons vraiment, c'est ça qu'il y a, au lieu que nous trouvons maintenant. Parce que nous même pas porté plainte, mais seulement au lieu que les petits qui ont été mais que même pas ça arrive l'autre monde. Voilà. Et puis, ça me demande encore, et puis bon. C'est pas du football, pas vrai? Oui, Haïti perdu, c'est vrai, Haïti perdu 3-1 devant Mexique, mais encore, et ça va dire grand-chose, cette défaite-là. Haïti a besoin de victoire, éventuellement match nul, mais ça n'a pas été fait parce que l'équipe mexicaine est vraiment supérieure. Il y a plein de monde qui critique la sélection, qui dit qu'il n'y a pas d'abri boule, qui a peur de faire retrait, etc. Peut-être que les gens ont un match plutôt, mais la machine mexicaine est tellement quimbé là, pression sur la sélection nationale là. Monsieur Kimbé était pendant la première mi-temps, 45 minutes, les retours en deuxième mi-temps,
bala tourner mal. Bala vie mal, li vie en faveur mexicain yo et pression encore, non bat tête non gol, moi même pas pas personne. Mais ça ouais et Ricardo a des fer et ballon où elle shooter a. Je me dis je vais shooter dans gol là. Il dit que peut-être pas trouver gol, pas trouver gardien parce que son ballon qui a flané, qui a venir en surface dans petit carré et monsieur en tant que défenseur ballon vient devant, il pas quitter ballon passer parce que pas une pièce mon pied là et il essaie voir le ballon dehors mais malheureusement était devant gol là ballon était dans gol. Et pas quoi que nous besoin punir monsieur là parce que c'est une meilleure joueur qu'on a dans ces champs. Ça arrive dans le football. Grand joueur par tête du goal, par équipe du goal, et pas grand joueur capable de faire ça. Bon, partie remise, Haïti n'en bataille toujours à condition. Haïti n'a pas besoin de faire, pas bien aller au match, mais on dira, si j'ai une match, là, l'a qualifié, c'est vrai, mais il n'a pas besoin d'aller au match, c'est une victoire qu'Haïti a besoin pour vraiment assurer que j'ai une deuxième place. Il y a une grande place qui est disponible, parce que Mexique est déjà qualifié, donc une grande place est disponible pour trois équipes qui derrière. Haïti qui est 3 points en deuxième position, place à disponible pour Haïti, Haïti en position favorable. Mais Qatar, qui t'a mené devant Honduras, pendant tout arrêt de jeu, c'est comme ça Honduras. Miraculeusement, égalisé dans fin temps pendant arrêt de jeu, et Honduras sorti dans le match avec un point. Oubliez non, grand point ça que Honduras, motivation. Pour les lapins à Haïti, pour grimper tête devant Haïti, pour la situation de traverser. Une victoire en dure rien, ça veut dire que c'est un gars qui a pris une place là. Moyennant que Qatar a perdu devant Mexique. Mais on match là bon pour nous, mais nous avons une victoire. Tout. Donc nous n'avons pas besoin de dessiner nous dans la main, nous dessiner pas nous, dans la main sélection nationale là, nous n'avons pas besoin de mettre espace sur personne au monde, Haïti, c'est au coup. Tout comme nous dessinons en dure dans la main, tout. Destin, États-Unis dans la main, tout comme Jamaïque et tout comme Trinidad. Dans le groupe A. Parce que Jamaïque avec Trinidad, Jamaïque avec États-Unis, chacun 4 points dans le groupe ça. Et yo même, yo d'abord, Jamaïque a rencontré avec Saint-Kitts-et-Nevis. Il y a un match qui n'est pas trop difficile, non? Sous terrain, ou sous papier, pour équipe Jamaïque, là, face à Saint-Kitts. États-Unis a rencontré avec Trinidad et Tobago. Un match qui n'est pas trop difficile pour États-Unis, tout. Mais Trinidad et Tobago, pas pour les États-Unis, c'est parce qu'avec 3 points là, une victoire contre les États-Unis capable de permettre que le traverser pour le quart de finale là. Et une match sur tout, ça dépend. Parce que les États-Unis, c'est ça, Dodo Mea, avec plus 5 goals. Et oui, parce que les États-Unis, grand pile de gol, le résultat, le calé 6-0, il était pour un goal dans le Jamaïque, donc il gagne plus 5. Donc, nous avons compris un jeu qui gagne. Donc, ni Trinidad et Tobago, qui est classé en troisième position dans le groupe avec 3 points, ni États-Unis et Jamaïque, qui ont chacun 4 points. Donc, des séries dans le meilleur. Et étant donné que deux équipes ont rencontré, un adversaire différent, Trinidad a rencontré avec États-Unis et Jamaïque a rencontré avec Saint-Kitts. Bah, là, ça va beaucoup plus facile pour Jamaïque. Face à Saint-Kitts, qui a mis une victoire, mettez là 7 points. Donc, pour comprendre 7 points, ça veut dire déjà que le grand chance pour finir. En première position, moyenne, à condition que bah, il n'y ait pas de marché pour les États-Unis, mais Trinidad n'a pas fait ça capable. Donc, on n'a pas joué dans le groupe A, excepté pour Mexique, qui est qualifié. Dans le groupe A, États-Unis, Jamaïque, avec Trinidad et Tobago, tous les trois équipes sont capables de qualifier pour deux places qui viennent dans le groupe A. Dans le groupe B, côté de Haïti, à part Mexique qui est qualifié, Haïti est en bonne position pour la place là, mais Destin et Honduras avec Qatar, tout, ils ont même tout capable de qualifier. Ça dépend de rencontre résultat. Une victoire Honduras, Haïti a éliminé. Vous comprenez ça? Et une victoire Qatar avec une victoire Honduras, c'est peut-être goal de différence qui va jouer parce que toutes les équipes a bien 4 points, donc il n'y a pas aller pour goal de différence. Donc Haïti n'a pas gagné à l'erreur, Haïti n'est pas capable. Al perdu là. Donc, M. Ganin a dit, je pense que l'équipe qui nous a eu dans le premier mi-temps, c'est une équipe qui était aussi motivée. Je pense qu'il y a plus motivé toujours. Les apôtres avec Honduras, match à jouer dimanche soir et à 10h du soir. Pas dormi, mes amis, restez là, n'a pas été veillé. Nous tous là, n'a pas sous place, tout, veux à cœur, n'a pas sous place.
et très certainement n'apporter pas ou face à n'apporter pas au commentaire joie ou tristesse n'apporter commentaire bas ou quand même n'abandonner de cette façon. Et voilà, c'est comme ça, ça est là. Donc nakala là tout et tout le monde nakala. Nous jouons, si on sait jouer, elle joue pas nous même nakala. Nous gagnons tout le monde nakala. Valé, je suis New York, il est là avec nous depuis semaine. Gary Altido avec nous là depuis hier. Et alors notre camarade là, camarade Michelia, Fred avec nous tout. Donc ça veut dire que nous sommes tous contents, nous sommes de bonne compagnie. Il y a cette grosse fête qui était faite, grosse fête pour d'abord chef service là, qui est un babdi nous là, mais était chef division était en fête pour lui, chef service à Sandra le maire. Et puis nous t'es fait, fête pas nous tout, pour nous accueillir. Et Fred avec Gary Altido, San Valerio, on te salue, présence sur parmi nous. Et Jacques Lembe disait, raté, bah, ça, lui-même, il raté, bah. En tout cas, je vous dis merci. Quant à moi, je vous dis nous brancher. À partir de demain, on a commencé à faire une petite nouvelle. Je suis avec les plats pour moi, qui vient de faire, parce que moi, règlement yo fon fè interview fon n'a bon bay quand même m'a partagé tout ça nous je n'a partagé pas n'a faute des fanatiques yo et jodi a m'a parlé un petit peu de match là et puis m'a fait entendre des commentaires en fanatique fait et que Valéo on Valé a marché bon ici à la croise en fanatique football et puis monsieur a n'a fait des commentaires lui-même tout de résultat match. Mais Haïtiens pas trop mauvais. Je pense que nous avons fait, mais tout le monde reconnaît que le Mexique est un peu plus fort sur le terrain que Haïti, même les Haïti raté. Haïti a un peu de chance, ça arrive, mais le Mexique a raté un peu de chance. Il y a plus grave. Si le Mexique n'a pas trop raté de chance, il y a plus grave. Et Haïti, tout, soit différent. Si la chance Haïti était jeune, tu mettais. Je pense que l'entraîneur est capable de faire un petit passement encore dans la formation. Et puis, gardez pour essayer la formation, le débat là, c'est meilleur là. Mais on connaît, c'est l'entraîneur, l'entraîneur a un penchant pas le tout. Donc, mais une absolue bonne chance, ça fait deuxième sortie officielle. Entraîneur, il gagne une victoire et une défaite. Donc, voilà, une victoire et une défaite. Voilà. Mais nous sommes à l'un de ces tours là qui prend la phase des choukailles là. Bon après-midi tout le monde. Tous les jours à vendredi, soit conduit par consommer alcool. Et si vous voulez consommer alcool, vous ne pouvez pas conduire. Et vous ne pouvez pas acheter une machine à un monde qui se consomme alcool, même comme passage. Bonsoir tout le monde. Bon après-midi. Et bon week-end. Dans le journal radio sur télévision.